Jovenel Moïse, qui joigne justement le souverain Bayo position d'autorité, et puis en français il a dit le caricaturer président ce pays, mais on dit en haïtien le fait président ce pays a tourné anti la Mayotte. Et si nous regardons bien état pays, je veux dire, qu'est-ce qui se passe au ministère de l'Intérieur? C'est au ministre de l'Intérieur qui fait sortir en lettre que l'envoyé bail directeur général lui, pour le directeur général là, ou pas de droit écrit directement à un ambassadeur, en l'occurrence ambassadeur d'Espradel de la République dominicaine pour affaire 27 agents pour le suivre cours en République dominicaine pour bayo visa. Le directeur général répond au ministre pour le dire, il n'y a pas jamais fait bagaille comme ça. Il n'y a pas jamais fait bagaille comme ça avant que le ministre ait écrit ça. Il n'y a pas qu'on fait bagaille comme ça. Et puis, on se surprend à lire que effectivement le directeur général a écrit en lettre parce qu'il a publié encore pour gagner tous les documents. Bon. Donc, où tomber nos véritables cafarnaum, c'est l'état de mon pays n'existe plus que sur le plan de la violence qui fait sous nous et la violence symbolique qui continuait à nous écraser société que nous pas capables d'évoluer. Maintenant, Zamnan, lycée yon palliatif que souvent, politiciens haïtiens, particulièrement nous qui au pouvoir, utilisaient pour yon détourner tête yon de responsabilité vis-à-vis de nation. Gros série de monde, yon mette Zamnan en meilleur Dieu à le dégager. C'est comme ça le terrier, oui, dans tout combat coûte là. Li comme ça après 86 et le comme ça je dis, wap dégage yo pendant ce temps, l'autre nègre qui semblait avec lui, c'est-à-dire le président qui a parlé, oui, dans tête lui, avec tout combat coûte là, avec chef gang là, mon cher. Ou pas le quitter Nexayo, vienne mettre le deux dans le pouvoir, ou pas le quitter Nexayo, vienne président, tous ces moi-même qui président, ces amis qui président, etc. Donc, ça vient faire ou bon officialisation du modifisme. Face à ça, gagnez une question, gagnez un bagage que colonel Ribu dit, qui demandait en question. Faut que nous empêcher. Nexayo fait ça. Et député Célestin dit nous pas capable de sermouler. Face à question, bandit jouen cartouche, jouen zam, Jean Yovléen, André Michel, qui certainement, Michel André, pardon, qui certainement a construit un record de porteur de plainte de toute l'histoire du GBI, d'adoué tant de bien sous question ça. Moi, quoi, moi-même, moi qui directeur de douane ici, tous les directeurs de douane, et évidemment, les directeurs de douane centrale là, HGD pour Presse, moi qui ai responsabilité, transport, et pardon, frontière terrestre là. Sorti dans le nord. Voilà, mais. Rivé, donc jusqu'au sud, ça le fait. Faut le bail, dans quelles conditions, ZAM, cartouche, munitions, l'entrée dans le pays, sans le paronner. Et à partir du moment que ils n'ont pas capable de dire, ils n'ont pas capable de camper, il faut la nation pour défendre pour eux. Parce que ce n'est pas possible pour effectivement démonstration qui fait avant hier là, pendant des heures,
nèg a tiré ou gen l'impression que c'est l'armée israélienne qui a fait la guerre contre toutes les puissances arabes du monde. Mais côté moun qui directeur qui responsable entrée et sortie du territoire national aéroport faut une explication côté bagage ça sorti. On y a le niveau d'irresponsabilité. Je rappelle que les hommes, c'est chef ou lié, il y a au moins deux fois une réponse. C'est ça, mon responsabilité, je l'ai dit. Là, nous regardons bien. Moun qui dans la gang, d'abord, il était clair, il y a qui habillé les amis dans même et puis les 100 monde derrière lui qui des amis tout qui fait parade jour et pendant manifestation et opposition contre Jovenel Moïse. Monsieur les Arnel Joseph, monsieur monté sous un conteneur, monsieur fait un harangue politique beaucoup de facultés de médecine là et libre ça pas capable de faire sans pas gagner un lien politique. Complicité, là. Oui. Ni, impossible. Complicité, là. Alors, l'arrivée d'un niveau que on pervertit l'ordre social, pervertit la question de l'autorité, pour seulement l'irriter dans une jouissance du pouvoir. Jouissance du pouvoir, et qu'on t'a dit qui psychologique et jouissant du pouvoir par l'argent que la fait gagner. Laissant nous, pas dans l'État, pas dans le pays encore, et c'est pourquoi moi, pensez moi-même, faut que nous convoquer, oui, son façon de... c'est un choix et tout à fait acceptable. Il faut soulever les masses populaires. Moi-même, moi dis, très humblement, après Colonel Rebu, après Michel André, à ma façon, mais toujours la même idée qu'il faut convoquer en urgence les forces de bien de ce pays. Parce que c'est évident que le mal nous fait la guerre. Et pour, parce qu'on va être très certain, c'est que de toute façon, sans rien faire, mal l'an, la battu. La touye nous. La guerre la victoire sur nous, la guerre la football sur nous. Donc, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est vraiment la réunion des forces de bien dans ce pays pour que nous songer, le nous demander souverain au pouvoir et l'aimer au pouvoir. Si nous besoin, sénateur, nous sommes sûrs. Allez-y. Beaucoup de qui savent, moi-même, peur, moi, pas voulu que pour n'a pas affiché une volonté exemplaire. Moi, je plus remis que nous afficher une volonté qui peut permettre de nous imposer pour nous gagner dans le combat de notre mère. Là, on parle de force de bien, force de mal. Ça capable de prêter à une certaine confusion. C'est ça que je fais moi dire sans équivoque. Il faut que nous préparions l'insurrection générale, le soulèvement général des masses populaires. Mais ça fait me parler de force de bien. L'aime lever chaque matin. Tout le monde a moi dans la rue. Tout le monde qui sortit avec camion zon yon. Camion pomme de terre sorti dans le monde, vous verrez. Pour descendre dans le croix au sal, où tu as parlé tout à l'heure. L'heure où tu mettais du feu, dans le croix au sal, là, tu es allé. Et moi, le monde qui me dit, l'aime venu, moi, je vais apparaître. Et ma chaîne, je dis, moi, ils ont tout dit ça, même oui, mais fais attention, ils ont là où, parce que c'est eux-mêmes qui ont besoin d'être en vente. Ça veut dire, force de bien, c'est boss maçon, c'est charpentier, c'est ébénisseur, c'est menuisier, c'est tailleur, c'est chauffeur camionnette, c'est motocycliste, c'est mon cap chercher la vie avec force courage, en sachant très bien que l'État pas participer du tout dans l'amélioration des conditions de vie. Force de bien, c'est professeur l'école qui gagne pour le travail là, l'école va l'ouvrir. Et puis, en juillet prochain,
Yo pas connaît que l'État a préparé un séminaire régulier pour yo. Pour yo à la fois capable toujours à perfectionner parce que toute professionnel fait ça. Et pour yo joindre une augmentation de salaire régulier par rapport à toutes les difficultés que le pays a traversé. C'est ensuite monde de bien, c'est monde qui détient entreprise l'IA. Et que parce que l'a fait cacao, parce que l'a fait œufs, parce que l'a fait ananas, nous ne sommes pas l'état là d'investissement étranger, le gagné en Sheraton qui veut venir ici, pas gagné 5 nègres, 10 nègres, chaque a demandé 1 million de dollars, qui a vexé mon Sheraton qui a fait investissement, et puis qui a empêché, comme je parle là, qui a empêché petit producteur agricole là, jouer un marché qui est sûr. Parce que finalement, la question de la sécurité, l'insécurité, l'Ichita, d'abord, je le regrette, au palais national. C'est le palais national qui doit orienter les choses. C'est le palais national qui doit donner l'exemple. C'est le palais national qui doit choisir les bonnes personnes pour qu'ils dirigent sécurité. Et c'est le palais national qui doit mener des politiques sociales de les quartiers. Mais depuis avant nous être indépendants, pour qu'ils mettent Mounio dans conditions sociales. Qui joue le service de l'eau? Où est-ce que l'esprit président? Mais précisément, et c'est pourquoi on a le devoir de lui demander de partir. C'est ça que fait nous vivre dans ça. Non, monsieur, pas pour aller, monsieur. Oui, nous faire monsieur aller. Maintenant, les passagers peuvent le faire aussi. Nous, pour faire monsieur aller. Alors, quand il y a un job. C'est job pas nous. La question de la mon plan alternative. Maintenant, la question de la sécurité. Et, en tout cas, sous question que tout à l'heure là, et ces derniers points m'ont dit sous question de sécurité, Richard Doré, nous ne pouvons pas banaliser un crime en un acte commis par Woody Ali, ministre de la Justice, et le président de la République, Jovenel Moïse. Gagner 7 personnes qui entrent dans le pays, vous ne pouvez pas en rire. Et vous êtes un clair. Un clair sur lequel je n'ai aucun doute du point de vue de sa capacité, ça va de soi. Mais ne faites pas que je doute de votre volonté de bien faire pour la nation. Écoutez, il faut le répéter 3 millions de fois. Un gouvernement organise la violation du territoire par un avion qui dit 7 personnes là-dedans. Il passe à l'aéroport. L'infini. Il permet de circuler sans flag d'immatriculation. Deuxième crime. Avec plusieurs. L'infini. Lui avec des armes de guerre, troisième crime. La police, attendez, monsieur aubergiste, gagné en poste, ça me dit. Oui, DCPA. Mais j'ai retenu ce nom. C'est lui qui était à la tête, ou bien qui a commandé, qui a dirigé, qui a envoyé cette patrouille, qui a arrêté les mercenaires en question. Et qu'ensuite, c'est notre troisième crime. Il les a techniquement arrêtés. Absolument. Il faut souligner. Et lorsque la police a voulu transférer les présumés criminels à la justice, le président de la République, Jovenel Moïse, et le ministre de la Justice, Woody Ali, fait obstruction à la justice. Quatrième crime. Et c'est eux-mêmes qui ont autorisé que ils remettent avion. Côté avion, avion qui a violé le territoire. Avion Haïti lié. Côté avion. Haïti lié. Nous pas qu'on est. Donc nous présumer. Je regrette ça, c'est présumer. Nous présumer que ils remettent lui parce que, comme je l'ai souvent dit, Woody Ali et le président de la République ont remis les 7. Individus qui viennent faire insécurité dans le pays à l'ambassadrice américaine comme des sujets remettre à une reine un cadeau qui ne peut avoir d'autre nom que cadeau royal.
n'est pas possible. Donc, là où fait, là où pouvoir faire un bagage comme ça, c'est où tout ça va passer, tout ça qui est passé avant yo, il est confirmé, et tout ça qui est passé après yo, tout le monde comprend yo que l'impact n'est pas capable de gagner la sécurité. Et nous gagnons jusqu'à présent, on nous a même dit, on l'a pas oublié, parce que pas gagner une vie qui n'est pas importante pour nous. Ça veut dire que jusqu'à présent, puisque Jovenel Moïse est encore au Palais National, il a gagné possibilité pour gagner un comportement, pour, et puis que le capable de prendre une décision, et puis pour nous, finalement, nous voyons que je dis à nous, pas gagner de monde qui mourit, demain, nous, pas gagner de monde qui mourit. Après, nous, on va faire sur ça. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est circulé de notre pays librement, on est fatigué d'apprendre que nos enfants, nos femmes, nos cousins, nos cousines, il y a pouillé ton coup si vous avez fouillé mouche. L'air ouvré. Oui, bien. Non, mais même. Bon, je vais pas le parler tout le monde. Je vais pas dire la parole. Moi-même, moi, je crois que. Sénateur, vous avez un lecture par vous, moi c'est pas Mathieu, sur certains points, qu'est-ce qu'on dit là, vous comprenez, mais il y a d'autres, non. Nous tous les forces et mercenaires, d'ailleurs, le mercenaire a fait. Dans le monde entier, un pays comme les États-Unis, vous pensez que, mais c'était des mercenaires, depuis que j'ai entré là, à l'aéroport international, lui, il n'avait pas arrêté vous. Il n'était pas venu. Mais mercenaire, non, moi. Oui. Si je change l'autre mot. Oui. Mercenaire, de les États démocratiques. Non, mais. Ne viens pas expliquer. Non, mais on après. Non, mais allez, ça me dit, mais vous doutez. Comment douter? Bon, l'État. Non, pour une explication pour tes bails, tout le monde qui doutez. C'est. Non. Écoute, mercenaire, vous pensez que. Monsieur mercenaire, oui, vous quittez, vous prenez un avion, il y a aux États-Unis, il y a un avion, il y a un avion, tout près. Ah, mais vous devez aller. 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 Tu veux me dire que le gouvernement américain est directement impliqué dans un. Non, c'est ton intention. Dans une tentative de criminel sur le territoire. Non. Ça, c'est ton intention. Je n'analyse pas avant les États-Unis. Non. J'analyse avant tout moi-même. Mais les autorités. Non. Les autorités de justice en Haïti, une négociation qui a été prononcée sur ce dossier, on libère. Non, si vous acceptez la séparation, la séparation, on ne peut déjeuner pas bâtir sa tête. La justice. Mais je ne vais pas être devant la justice. Vous allez. Non. Pas devant la justice. Non, juge. Non, pour me rapporter, pas pour me rapporter, pour me relater comme fait, c'est que quand on a arrêté ces messieurs, premier monde qui relait, le directeur général, et ça fait. De la police. Bon, là, bien pour le paraître, pour le témoin et pour le dire devant le juge, par exemple, que m'a dit le gars disait paroles, mais on l'est capable de dire devant le juge. Et dans le dossier mercenaire, on est capable bien pour le témoigner. Parce que le dossier n'est pas encore terminé, c'est la beauté du droit. Puisqu'il est devant un juge actuellement. On va passer le fini pour pouvoir le rebondir avec beaucoup plus de force. Quand on a arrêté les mercenaires, premier monde qui relait,
directeur général de la police pour demander libération, yo, c'est Ardoin Zéphirin. C'est plus que le conseiller du président, c'est le frère du président, c'est le siamois du président. Tantôt il est vice-président, tantôt il est président. Ah monsieur, bon? Ouais, c'est monsieur qui relève. Deuxième monde qui relève. Monsieur Soutel. C'est ma baye menti, là que j'ai dit relève, je menti. Deuxième monde qui relève pour exiger la libération de ces messieurs, c'est le ministre de la Justice lui-même. Pour demander de libérer Negio. Mais, côté la balle plus grave, c'est que quand le commissaire du gouvernement est arrivé sur les lieux, attendez ça bien, oui. Quand le commissaire du gouvernement est arrivé sur les lieux, les hommes ne sont pas libérables. Le commissaire du gouvernement, chef de la poursuite pénale, dans sa juridiction, a déclaré que ces messieurs ne sont pas libérables. Je ne veux pas les libérer. Et à partir du moment où le commissaire du gouvernement déclare qu'il ne va pas les libérer, cela veut dire que le commissaire du gouvernement décide de transférer les messieurs et le dossier en état au cabinet d'instruction. Ça veut dire que ça, lorsque le gouvernement... Il les a attendus. C'est ça. Oui. Et lorsque le gouvernement, via le ministre de la Justice, prend monsieur et le fait où aller, ça veut dire son dossier qui n'amène la justice saisie, la justice a traité, et puis le pouvoir exécutif, obstruction à la justice, en violation de la loi, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, interdit, et puis l'on retire de la main. C'est comme si nous disions, parce que moi je parlais avec exemple, ils ont arrêté Anel Joseph, là, et puis Jovenel intervient pour faire libérer. C'est la même chose. Son dossier. Il t'a fait ça, vous imaginez. Son dossier qui n'en met la justice a traité, l'autorité de poursuite a décidé de poursuivre, l'a transféré Negio dans la prison devant juge d'instruction et Negio fait libérer. Ce n'est pas extrêmement grave qu'on autorité de l'État, pouvoir exécutif, rentre pour un dossier qui n'a mon juge et puis pour. Maintenant. Monsieur, mais le dossier, monsieur, ce soulèvement. Mais le dossier n'est pas terminé. Le dossier est quand même cabinet d'instruction. Évidemment, on connaissait devant qui juge lié. Moi, c'est Magali habitant. Il apprend. Magali habitant, là dans le tout. Mais si on n'a pas courage pour prendre un Zéphirin, et là, je m'adresse au juge d'instruction en charge du dossier. Les informations. Si papa. Confirme que c'est Ardoin Zéphirin qui a appelé le premier la police pour demander la libération de ces messieurs. C'est ministre de justice là qui est en deuxième et c'est lui qui fait le libérer. Je ne suis pas capable de parler de ce monde ça, yo. Et parce que Magali habitant pour courir. Magali habitant a une responsabilité pour répondre, mais je ne suis pas capable de quitter le monde ça, yo, plus important, Jovenel, tout Jovenel Moïse, qui fait libérer monsieur pour ses lois pour courir. Si nous ne pas faire la justice, pas faire la justice. Parce que mon juge. Pas capable de dossier qui crée dans le monde, président la donne, ministre la donne, conseiller président la donne, et pour apprendre le banlieue, on passe sur le côté. Maintenant, comme on acte, bah ouais, c'est un bon sujet, oui, là, bah ouais, requisit pour avoir le gouvernement, il y a un gaz. Mais en principe, commissaire du gouvernement, si vous voyez, quand il y a un gaz, on allait. Et on dit deux mots seulement pour n'aller. Ni ministre de justice, ni Ardoin Zéphirin, et même mon yo voyez l'autre boy, ça va empêcher la justice haïtienne de poursuivre. Et ça fait me dire que le dossier n'est pas terminé. Il n'a pas qu'à aboutir parce que son bon délinquant sous pouvoir aujourd'hui. Mais au moment opportun, le dossier a rebondi. Parce que même si on viole la loi, la défaite du droit est provisoire. Ça n'a pas empêché la justice haïtienne de continuer de faire travail. Je ne dis pas de bagaille sur la question de sécurité. Sauf ça me constater, nous pouvons traîner la sécurité sous Zach. Banditisme et soi-disant gang. Bon, moi, je sais que si je ne me répète pas, il y a gang. Bon, je dis ça, je ne dis gang, c'est le fait que si je suis sénateur de la République, on est carré libre. Je ne parle pas avec elle, je fais échange avec elle, il y a des amis légaux. Et parce que je connais qu'elle est gang. Son ami. Si autorité du pouvoir carré libre, on ne peut pas parler de gang. Que même nous gang, non. Mais nous-mêmes, il faut mettre lui dans juste valeur. Parce que si nous faisons comme ça, nous pouvons faire jouer le pouvoir. Parce que le pouvoir a joué. Il ne va pas jouer avec le tout. Monsieur, question de sécurité, nous connaissons. Nous sommes en bas,
colonel Rubit dit tout à l'heure, mais André tout, qui fait nos bagailles, il dit comment pour faire au bord palais national là, et là, quelques mètres, sous d'aide au palais national là, bon massacre qui fait là. Il dit c'est gang. Puis bas, sous côté palais national là, il y a un massacre qui fait. Deux fois palais national dans Tokyo, un autre massacre. C'est-à-dire, palais national dans mi-temps. Mais gang ça a fait massacre ça, pour qu'il ne soit pas attaqué par les nationales. Est-ce que parce qu'il y a un gros âme? Pas vrai. Parce qu'on n'a pas de policiers qui ont ça sorti dans mon nom au capacité de Matisan. On va pas passer. Un bon exemple. Nous faisons massacre le 23. Nous avec la police. Nous allons demander de faire nouvelle. Mais la police n'a pas accompagné, non. Mais nous sortis quand même. Nous écrit, il ne va pas répondre, nous sortis. Nous faisons tout par quoi? Nous descendons, on va arriver. Bon, ça va arriver, on va aller, on n'a pas capacité de parler, on n'a pas. Bon, on va passer, bon, ex. Nous descendons, on va arriver. Nous vidons un paquet pour aller déposer plainte. 11h, le commissaire gouvernement va dans le bureau. Nous disons, on poursuivre jusqu'à bon théâtre national. Là, nous vivons devant le paquet. C'est un policier qui paraît, qui dit, monsieur, pas descendre. Pas descendre là. C'est comme si à genoux, monsieur le médecin, puis nous ne pas descendre parce que nous ne pas que pas faire face carrière avec ce devant là. Et nous-mêmes, nous voulons nous aller. Mais pour nous tendre, policiers, hein, parce que nous ne pouvons pas avec nous, nous virer, nous passer nos gens de masse, nous prenons oui. Permettez-moi, d'après policiers, en général, en tout cas, ça me tend, c'est parce que pas jouer l'ordre, oui. Qui fait que vous pas fini avec le problème ça déjà? Mais je vais arriver là, oui. Je vais arriver là, oui. André se dit. C'est bravo, écoutez, André se dit, va être à l'air. Il va conseiller de côté. Quand dit qu'il y a guérilla, guérilla, mon côté le campé. Mon côté le pas avancer. Là, pour exemple, Bachar Al-Assad. Puis bataille qui fait. Où j'entends des monnaies dans la capitale là, côté palais, et vous n'êtes pas allé. Non, monsieur, devant le pouvoir, non. Non, devant pouvoir, devant palais là, non, monsieur. N'est pas sous côté. Non, monsieur. Non, mais vous faites ça pour faire gain à papier, l'autre papier, vous faites. Mais entrez, bon palais à l'agent, il est là, il va faire. Moi-même, je pense que l'insécurité, son bagage est programmé. Les programmés, même qui ça me dit, même qui ça me dit, il peut être, il y a qui dit exagéré, non, pas exagéré. Pas exagéré. Et ils sont de l'air. La population a de levé. Pepe dit, colonel a dit, et nous tous disons que c'était Doré qui commençait, que c'est l'armée qui vous fait. Moi, je dis qui l'armée parce que nous n'avons pas les gens en plus parce que même nous dit qu'il y a l'armée qui l'a. Dans ce cas, nous même nous voulons conseiller les gens qui ont des armes. Conseil m'a eu. Ah oui, mon Dieu, qui est un zam, parce que je ne peux pas dire au bandit moi-même. Bandit parce que je ne peux pas dire autorité. Bandit parce que je ne peux pas dire autorité. Tu comprends? Gros zam, ça me tendait, mais vous faites 3 heures dans la ferme là. 5 heures. 5 heures fermé là, mon bagage passé à 5 heures. Vous ne pouvez pas briser un bandit. Vous ne pouvez pas dire la police. C'est le même du commandant militaire. Exactement. Il n'y a pas de monde dans la population. Il n'y a pas de monde. Et la population là, tout dans la moins que c'est des zones d'affaires. Non, pour me finir, on gagne point. On gagne une minute, on va prêter la donne. Ou on va prêter la donne. D'ailleurs, on va aller moins la donne. Moi-même, dans toute déclaration sur question de sécurité qui est une victime de lui-même, moi, on gagne un message à monsieur. Tout d'abord, il y a joué de yo. Il n'y a pas 11 âmes, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas munitions pour faire deux bagailles. Protéger le pouvoir, protéger l'argent. C'est ça, il y a le pouvoir. Non, protéger le pouvoir. Parce que chaque fois que le pouvoir a des problèmes, les manifestations sont raides, ils utilisent et puis les gens ne peuvent pas sortir. Mais quand il y a ça pour arriver, ça peut arriver quand il y a. Pouvoir, pour quoi c'est tout bon, il y a le bandit lui-même. Et puis il dit la police, il y a deux choix. Ou il y a un tour, ou il mourir. Monsieur, moi-même, je vous dis, monsieur, virez les âmes non vers le monde qui va nous dire, suspendre la population. Même je crée, la population, c'est pour contrôler. Ou pas que tout le monde, c'est professeur, c'est étudiant, c'est chauffeur, c'est moi qui ai raboué. Dis, monsieur, moi, ça a passé, zam, zam, pap. Bah, les populations, bah, tu es là avec encore, définitivement, pas l'entrée qu'on a avec. Ça, c'est pour ça que je veux dire. Mais mon sujet, c'est bon, je veux dire, on va aller pour semaine dans l'intersection, soit avec bateau.
comme nous et là nous ma bonne commission va être président nous on nous compte pas la président ok bateau a une intervention qui était faite pour démontrer que c'est bateau qui est en stand by oui. En attendant que Port Saint-Marc là pour qu'à rentrer. J'ai des informations qui font croire que ce n'est pas le cas. C'est pas plus grave. Et que, non, c'est le bail. Bail. Et ça va nous une bonne commission par le président. ou tout là. Moi, de toute façon, je suppose que le président va prendre une chance. L'émission s'est faite là. Pour le pape tendre en direct. Doré, fait bateau ça. C'est un bagage qui autrement plus sérieux. Parce que le point de stationnement, il est révélé, ça fait près de 6 mois. C'est exactement même le même point. Même côté. C'est exactement le même point. Le temps de stationnement, c'est plus ou moins toujours entre 3 et 4 jours. Je ne sais pas quoi il y a 4 jours et puis c'est. Je ne sais pas quoi il y a environnement assez dans Port Saint-Marc. Pour un bateau, chaque fois, lui, il est obligé de 3 pour passer 4 jours. Et oui, c'est important. C'est très important, ça. Parce que vous faites théorie pour nous, nous sommes pays pauvres. Nous ne gagnons rien. Vous faites diriger nous répéter toute la journée, nous pauvres. Et nous connaissons notre tradition culturelle, nous, au monde qui est pauvre, c'est le réflexe qui est allemandé. Donc, nous avons toujours allemandé. Mais nous connaissons nos uranium. Et nous connaissons nos plus que ça. Donc, mon Dieu responsable, ou bien suspendu être là, ou bien à l'investiguer pour qu'on ait exactement ça gagne. D'accord. Alors, bon, nous allons, c'est presque qu'on a là, nous allons faire là, pour nous gérer l'autre gaz. Dis-moi ça qui passe dans le gaz là même. Bah, non, alors, même. Non, c'est au Cléta. Au Cléta. Il y a autant de gars qui sont venus là. Eh, mais tant mieux. Bon, on va prendre les gars là. Non, je suis le beau militaire. On va faire la douille. On va prendre un métier pour là, parce qu'on connaît mieux que moi. Donc, bon, Gaza, c'est un peu, on t'a dit, bon, c'est. On va parler avec les chefs. Côté, son charge. Son charge. Son charge que la finance publique l'a apporté depuis des années. Voilà, parce que nous avons augmenté le gaz là, chaque fois qu'on a augmenté, il va augmenter. Donc, les vini, depuis quelques temps, il y a un problème sérieux. À un point tel que, pendant ma parole, il y a des gens qui ont acheté gaz là, 750 gouttes de galon diesel. Il y a un côté, gasoline, 750 gouttes, nous achetons, diesel là, il y a un côté acheté 500 gouttes. Donc, grand ratement. On fait manœuvre, parce que pas fait ça. Parce que côté que nous dégageons comme pour nous payer rentrer des classes, etc. Ou pour nous obliger comme d'un journal. Mais je ne vais pas parler, vous voyez. On ne doit pas d'accord. Ça m'a dit, je ne vais pas mentir, je ne bon. On ne doit pas d'accord. Donc, aujourd'hui, jusqu'au 31 mars, l'État, nos compensations faites avec compagnie pétrolière, c'est 6,5 milliards de gouttes que nous baillons. Donc, tu aurais été 6,5 milliards de gouttes. Comme le ministre finance a 2 milliards de gouttes récemment là. Donc, le dernier chiffre que j'ai gagné avant de venir là, c'est autour de 5 milliards de gouttes que je dois combattre. Donc, gagné jusqu'à présent, le problème n'a pas résolu parce que y a un problème qui est problème là, c'est que nous n'avons pas qu'à Kembe. Non simplement que j'ai gagné une dépression, enfin, détérioration du thème d'échange là par rapport au dollar, mais l'État n'a pas gagné quoi pour Kembe ça. Donc, ça, son véritable compensation fait avec compagnie pétrolière, c'est 6,5 milliards de gouttes que je baille. Donc, tu aurais été 6,5 milliards de gouttes, comme le ministre finance a 2 milliards de gouttes récemment là. Donc, le dernier chiffre que j'ai gagné avant de venir là, c'est autour de 5 milliards de gouttes que je dois combattre. Donc, gagné jusqu'à présent, le problème n'a pas résolu parce que y a un problème qui est problème là, c'est que nous pas qu'à Kembe. Non simplement que j'ai une dépression, enfin, détérioration du thème d'échange là par rapport au dollar, mais l'État n'a pas gagné quoi pour Kembe ça. Donc ça, son véritable compensation fait avec compagnie pétrolière, c'est 6,5 milliards de gouttes que je baille. Donc, tu aurais été 6,5 milliards de gouttes, comme
ministre finance bon 2 milliards de gourdes récemment là. Donc dernier chiffre que m'gagne avant venir là c'est autour de 5 milliards de gourdes de combat. Pression qui gagne sous secteur ça. Mais on, l'état va financer on est qui a acheté gaz pour faire affaire la caillou. Attention, on va juste par rapport avec mon qui va gagner dans société. Mais ça, c'est le pas acheter fait pour manger. Bon, moi-même, je crois que le transport en commun, c'est que faut qu'ils vont côté que pour diminuer, m'a dit, pression qui gagne sur le secteur ça. Mais on, le travail financier, on est qui a acheté gaz pour faire affaire la caillou. Attention, on va juste par rapport avec mon qui va gagner dans la société. D'accord. Mais ça, c'est le pas acheter fait pour manger. Non. Nous pouvons arrêter présidentiel. Mais c'est quoi qu'on a dit qu'on vous m'a un pile monde qui fout, vous mettez un seul. Donc vous te supportez, mais vous dirigez pays. Vous te supportez, vous avez besoin de l'école. Sans aucun support de production, rien. Pour prendre une décision aussi grave, depuis le jour où vous prenez, depuis le jour où vous appelez, que nous disons, vous en bas 32% de valeur. Jean-Marc, vous avez besoin de continuer. C'est pas écrit ça, lui, dans ce dit-là. Vous continuez, question. Juillet 2018, avant ça, nous sentis qu'on marchait pressé dans le gouvernement pour monter le gaz. Nous-mêmes, nous sommes toujours en avant-garde. Nous écrit. Anderson, nous parlé, nous écrit. Nous écrit, nous dit attention, nous allons monter le gaz. Ce n'est pas bon pour nous. Non. Depuis nous n'avons rien de gaz là, nous n'avons pas de problème. Qu'on a ça vous fait? Comme Haïti, la majorité haïtienne est au Brésil, donc on n'est pas fanatique de football. On va chercher Haïti fanatique. Moi-même, je dis ça en bas. Depuis le moment football, il y a un peu de temps. Deven, il y a choisi de jouer si la vie a passé dans la tête par Brésil pour le Calais et Belgique. Belgique, il a passé mal et puis il a tout renversé. Il me dit non. Il a tout fait back. Quand il y a un secteur privé qui n'a question de gaz, et ça va nous connaître. Ils ont fait créer les dos, ils ont dit qu'ils jouent pour eux. Pour ils ont dit. On va pas acheter le, on va pas plus acheter le. Et puis, grand secteur privé. Comment acheter le bouvina? Non, premier temps. Non, premier temps. Non, mais marché noir. Raquette marché noir. Non, mais régulièrement. Non, mais Nous sommes disponibles pour nous parler. Entre temps, bon bagage dans la question d'importation de gaz à tout, pour nous connaître. L'État, tu as gagné l'importation en amène. Si flat rate là, ça ne prix plat là, on dit 50 dollars sur le marché international, laissez l'État qui a fait commande lui-même pour le secteur privé, l'État a dit plus que le métier. Dit plus ça, sans appel d'offre. Les bits de l'avenir, on dit bon, moi je m'apporte le gros, il vend 50 dollars, pas de problème, moi je m'apporte le gros 50 dollars.
Pepe dit m'a prêté pour 55. Il dit m'a prêté pour 60. Ça qu'on arrive qu'on a ça pour l'état choisi, l'a choisi André. Mais ma chère, ami l'état l'a choisi Ig. Parce que moun t'a choisi Ig yo. Yo gen intérêt parole là-dedans. Maurice Toun, yo choisi Ig Biton au détriment. Ça veut dire qu'on pas quatre compagnie pas de faire quoi par rapport avec l'autre. Au lieu prend 2 dollars ça pour l'état comme gain comme charge, yo prend Pepe et Ig Biton qui gagne 10 dollars qu'on a l'autre 10 60 plus 10 ça fait 70. Ça veut dire que 60 50 plus 10 fait 60, 50 plus 2 fait 52, il n'y a pas aller là. On a, entre temps, l'État continue à me voter. Ça, c'est un risque de malogue. L'État continue. On va le traiter. Non, mais bon, ça va bon. Pas bon. Non, pas bon. Ça va bon. Non, excusez-moi. On a, dans le cas, ça, l'État fait 300 000 barils. Vini. On n'a qu'à faire 10 dollars par baril. Sous ça, il doit les faire assurance, la paye. Ça, il ne pas faire comme même. Non, mais je vais montrer, oui. Je vais vous dire l'État. Je vais vous dire. Ils fait comme dans bandit. L'État va faire 5 gommes sur Gaza. Fait comme tout. Justement, l'État va perdre. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il va faire ça. Il va parler là même. Il va parler. Oui, d'accord. Qu'on est. Il va faire ça. 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 Dans le cas, les gars font 1,5 million sous l'importation. En tout temps, l'État a importé pour eux. Pour eux, ils n'ont pas payé l'État. Puis ça a plein, les gars ont 80 millions, 50 millions, ils n'ont pas payé pour l'État. Continuez à faire commande. C'est même Mounsa. Ils n'ont pas pris une décision en avril quand ils disent Gazan, ils ont pris Bali sur marché libre. Libéralisé. Ils ont libéralisé, ma chère. Nous, montons que nous disons attention, nous libéralisons, il n'y a pas de payer l'État. Je ne veux pas l'État baisser, il y a encore café importation. Produit à Binavel, là, qui moyen nous gagnons pour nous questionner parce que ça a été déjà pas bon. L'État n'a pas aucune structure pour analyser le produit à venir pour qu'on ait le bon. D'ailleurs, comment on prend Gaza même? Généralement, nous, ça, c'est sur le marché sport, je prends. Il n'y a pas de FDG, la gente fait, sur le pays du Caribe, on va passer en bateau, gaz, on connaît la passée, c'est mafia. Et puis, il y a le bateau. Bateau, ça gaz, ça 25 dollars. Il y a acheté 40 dollars. Ou pas qu'on est. Puis, comme on a mis, parce qu'il y a acheté pour de bagaille pour devenir. Nous, elle nous dit non. Du coup, pourquoi dit que ce marché sport, la gaz a toujours plus cher? Non, non, non. Nous, on ne va pas parler. Nous, on ne va pas parler. On ne va pas parler à tout. Vous comprenez? Mais nous, on ne va pas parler, maçon. Non, donc on est sur marché sport là, avec Petro Caribe, c'est tout à fait normal pour marché sport la plus cher. Mais je ne veux pas dire Petro Caribe encore. C'est vrai. Nous n'avons rien encore. Parce qu'on a une potentialité gay par rapport à Venezuela. Nous n'avons rien encore. Nous t'es déjà. Maintenant. Non, maintenant. Les nègres font le constat. Ils font le constat. On a ces mêmes gens qui ne sont pas l'État, oui. Qui d'où l'État doué, ils ne sont pas capables de commander. Est-ce que ce n'est pas des dettes croisées? Ah, bah, on essaie d'être croisé. Mm-hmm. Parce qu'il y a une compensation. Il faut une compensation. L'État doué, il doué l'État tout. Non, il faut une compensation qui fait 6 milliards de gouttes, 10 milliards. Il faut une compensation. Puis il y a une dette et puis il faut une compensation. Ça fait pas. Bah, mm-hmm. Mais qu'on a dit, l'État doué, 13 milliards. Il doit 13 milliards, qu'on a 6 milliards. 5 milliards. Mais là, on dit l'État doué. En quoi? Ça veut dire l'État pas bon cob pour te faire qui ça? Et pas pour importer. Parce que l'importation, c'est dans mon lié. Non, on vend gaz sur marché, il pas venir avec ça. L'autre c'est pas le prix. Mais malgré mon c'est subvention alors. Non, remboursement, c'est ça le remboursement. Alors, c'est remboursement. Par exemple, tout à l'heure, on dit sur galon gaz. Sur toute taxe que la loi prévoit pour l'État qui prend sur gaz, 70 gouttes. L'État déjà perdu ça déjà. Pour pas prendre. Il pas prendre. Quand il y a là pour proposition dans explication. Mais le pas fixe, qui pas fixe. Qui 80 gouttes là, pas fixe. Non, mais c'est ce qui est prix. C'est prix pour vous. Il n'y a pas qu'une fluctuation. C'est prix pour la vente là, je dis. Non, pour ceux qui basent. Oui, pour la vente, je dis. La preuve, 150 gouttes. Non, 150 gouttes, vous avez augmenté.
Pour non, c'est, oui, oui, pour le gouverner. Mais c'est pas vraiment gaz la fluctuation. Mais c'est qui base, c'est nous permettre. C'est qui base. Une importante cargaison de produits pétroliers. Moins actuellement dans la rade de Port-au-Prince. Bon, c'est pas problème, gaz. Les produits sont arrivés à bord du navire MTIVPG Voy battant pavillon luxembourgeois. La livraison de la dite cargaison se fera dans la matinée du samedi 31 août 2019 au terminal de Vareux. Donc écoutez, je parle de vous dans Texas. Parallèlement, le navire MT Artemis battant pavillon Bahamien débutera la livraison de sa cargaison le dimanche 1er septembre 2019 au terminal de Tor. Au total, près de 300 000 barils gazoil, diesel et kérosine, gasoline, seront déchargés pour approvisionner les stations de distribution. Les deux cargaisons totalisent près de 300 000 barils. Doré a menti quand il a dit que la gasoline va monter. Ce n'est pas vrai pour eux, pas monter. Son tentative de déstabilisation Doré t'a fait seul va connaître comme gouverneur. Voilà. Voilà. Population nous va bien soulever comme gouverneur. Si quelqu'un gaz dans toute station, c'est pas le prix qu'a monté. Non, mais c'est que c'est que lui. Pas mal comme ça. On est Doré. Doré pas habitué de dire la vérité. Mal au bagage. Si me dit Doré, les messieurs t'apprennent marché dans l'État, à combien de la télé? Tout le monde en Haïti, si vous ne faites pas commerce, ou vous cousin, ou vous amis, ou vous voisine qui fait commerce. Tout le monde connaît, les acheter, il faut faire bénéfice. Oui. Okay. Maintenant, qui marge bénéfice qui gagne sous gaz là? Ça veut dire que c'est pour l'État. Pour l'État. Pour l'État. Qui ça l'État a donné comme taxe? Qui ça, non, bah, qui ça lui prend comme bénéfice? Qui ça le gagne comme bénéfice? Ah, mais rien, je dis, Pepe, pas gagné du tout. Ok. Mais monsieur, même bagué, 70 gouttes là, que la loi m'a donné comme bénéfice, c'est ça, taxe. Tout le monde est supposé avoir un bagage. 70 gouttes, la loi dit pour le prendre sur Galon Gazal, pas prendre depuis des années. Attends, maintenant aujourd'hui, monsieur, même pas prendre, mais obligé à prendre taxe. On va aller, Les taxes sont bénéfiques. Combien cob limité sous consommateur? Ah, mais c'est ça, le consommateur a acheté. Donc, d'accord, VP. Ok, d'accord. On a la logique là. 80 gouttes limitées. Je dis à là, sur chaque gallon gaz, pour tout le monde. Quand on dit, expliquez là. Même parler avec ministère financier avant de venir tout à l'heure. C'est taxe. Non, non, c'est pas taxe. Non, pas taxe. C'est 70 Non, attends, bonjour. Globalement. Soit point global, taxe plus remboursement de fer, c'est 150 gouttes en tout.
Pourquoi ça va vous normalement, si on apprend la loi, si on applique la loi, l'État supposé gagner 70 gouttes en termes de taxes de nous prélever sur lui. Il n'y a pas à prendre depuis des années. Maintenant, nous sommes même pas à prendre. Pour te permettre de gagner gaz à ce marché, parce que ce n'est pas lui qui importe, même le Ben Badabé Motel est toujours fait. Le coup, il y a la ligue 80 gouttes de la chercher dans la caisse pour le porter par les compagnons, pour qu'on vende gaz à prendre acheter aujourd'hui, parce que ce n'est pas le prix réel pour te acheter. Donc ça, il peut être ça. Il peut être là. C'est pour qu'on vende plus de 50 gouttes pour lui. Comment est-ce qu'il va se dire ça? Ah, bambo, non, ne pas faire ça. Non, non, pas faire ça. Non. Oui. Un seul problème, on ne dit pas. Et les fluctuations, il tout doit 80 gouttes. Exactement. Six. Moi-même, et me pas quoi nous doué pas vle ba non même ba chifa même ba li maintenant on l'autre aspect pour nous garder bon donc remboursement c'est faux comment remboursement faire compagnie c'est faux à faire garder nous connaît comment bon c'est connaît on va tabou on connaît ba taxe pas le là on va appliquer le plus longtemps qu'on ça dit moi quoi que on va appliquer ça va appliquer droit d'assimilation des vérifications des enfin, de toute transaction concernant affaire Paul Gasolinza. Ben oui, c'est clair. Mais là, bon, bébé. Mais là, bon, au bout de l'histoire, là, bon, vous voyez monter, et puis l'autre, oui, Agriculteurs français, parce que la famille ne peut pas prendre ça en avant. Mais pas d'accord avant, non? Aucun doit pas d'accord? Non. Mais il n'y a pas justifier déficit ici, non? Déficit, ça va dire. Déficit, il investissement. Non, mais problème, non, c'est pas problème, ça lié. Problème, non, c'est même ça ne t'a pas l'air.
question autorité morale. Je vais retourner sous les. L'on prend l'argent, moi, comme citoyen. C'est Anel Joseph ou Abbaye pour venir dans la manifestation opposition. L'homme dit que c'est ça, moi, je vais acheter avec lui. C'est quoi, moi, prendre pour financer député avec sénateur? Nous ne pouvons pas être red là devant TNH. On peut expliquer. Laissez des autres ça. J'ai une belle machine qui a mené l'autre. Si c'est moi. Laissez des autres ça. Ou pas autorité morale de parler. Ou pas qu'à dire. Ou pas qu'à dire. Il n'y a pas de gaz. Non, il n'y a pas politique. Oui. Non, c'est une question de moralité. Alors c'est ça pour peuple à financer. C'est ça qui est important. Le par exemple, si vous êtes dans l'État qui campe, si vous êtes dans l'État qui t'a investi effectivement dans le bien-être de la population. Qui t'a construit l'école, qui t'a construit les pouvoirs, un premier ministre, qui t'a payé professeur. Si l'État, c'est ça, on m'a des peuples là pour financer. Si c'est pas l'État qui t'a fait l'argent, l'État, ça t'a autorité pour caresser la population. Et puis qu'on l'a bagaille tout. Lorsque. Si on pas prendre responsabilité pour contrôler. Lorsque. Si on a le parlement à vous, d'accord, oui. Lorsque. Même qui est de nos gars. Et puis qu'on l'autre aspect important encore. Lorsque la transparence financière n'est pas garantie. Lorsque la transparence financière n'existe pas, si l'État prend la responsabilité, moi-même, comme citoyen, je suis sorti par le corps de la santé. En général, si nous ne pouvons pas payer taxes, nous ne pouvons pas payer taxes. Mais là, l'État a fonctionné. Là, il y a service, il y a transparence financière. Là, il y a des copes dans la caisse de l'État. Les autorités amendent le mouton bagaille. Ils sentent une nécessité à lui-même. Il dit, aïe, là, ça ne fait pas bagaille. Laissons le peuple qui fait élite de confiance. Hein? Et puis, bien étonné, je me pose des questions. Là, j'en paye une délise dans les mains. Je comprends, je prends pour mérite de Delma. Ça veut dire. Faire qu'elle passe sous compte Delma automatiquement. Et puis, j'ai donné le nom de Boupé, le bateau presse, là, sous ton compte mérite de Delma. Analyse qui là-haut. Et c'est Espo Jeune, déjà, ouais, que c'est pour une fois qui cible et pour jeunes. J'en souhaite dire tout à l'heure, et peut-être en bas, je t'ai parlé avec deux trois journalistes, il était important à ce que fois Espo Jeune établit. Et nous rappelons que souvent, il y a des reproches qu'il y a fait avec des jeunes, phénomènes et carouaches, tout ça.
mais des fans qui demandaient qui alternative que mettez au fluo. Parce que par la voie pour coucher, mais faut mettre en repère en plan qui capable aider. Et dans ce sens, Expo Jeune, c'est ça le vin établi. C'est un moyen pour que jeune vini installe et expose projet. Nous n'avons pas rien que nous capables de tout. Il faut une politique de jeunesse. Une politique qui est basée sur formation, sur distraction et en quelque sorte sur la production. En plus, jeune qui a capacité ça, mais des fois, le moment de pour jeune n'a pas le meilleur de lui-même. On a regardé la sélection du 17 là. Et des fois, avec mes gros moyens, on fait. Donc, est-ce que jeune là, c'est un moyen ça qui a la possibilité pour que jeune jeunes eux-mêmes viennent présenter des produits capables de faire eux-mêmes et puis pour nous-mêmes pour nous supporter. Mais pour vous dire, qui boit qui est là. Non, mais pour vous dire ça. Mais là, mais je pense que le colonel, avant de là, non, mais il est là. Même mon capitaine de la barre, il est là. Nous allons le dire, c'est que c'est là où Chavan, devant Radio Caraïbe. Il commence déjà et il a fini jusqu'à 8h du soir. Et la donne qui s'est gagné, nous capable de dire que et tout produit, et nous qui artisans, des artisans là, même des entrepreneurs. Les entrepreneurs, parce que nous connaissons que grand plus jeune, qui vient de entreprise, mais c'est un moyen qui est là, qui a la possibilité de vous installer pour produit. OK? Parti sous sorti tout à l'heure, à savoir que jeune là, qui même qui ça que même bien comme produit pour exposer, nous disons déjà, tout produit ça là, il y a exposé pour que nous même, j'ai déjà quelqu'un t'a acheté déjà. C'est des produits de coup, par exemple, artisanat, sandales, bracelets. Bracelets, sandales. Et là encore, nous disons, tout produit sa chemise, souliers, tout ça aussi. Comme nous même nous connaissons, et ancien ministre jeunesse pour l'Ancadili, nous gagnons. En Haïti, tranche d'âge que vous considérez des jeunes, c'est de 14 à 34 ans. Un balade? Non. Ce que ça veut dire là, c'est un moyen ça. Je ne sais pas dire là, ou alors que des séries de jeunes, mais tout gain des séries de monde qui gagne entre plusieurs, qui pas jeunes, mais qui a travaillé avec jeunes qui viennent installer pour Dieu là. Encore une fois, je ne sais pas avec micro ça, comme on est en pile, dans le panel qui est là, c'est un monde qui est en politique et qui a travaillé, qui a dans mon seul point, ou tout le même dénominateur commun qui c'est pour Haïti. Même parce que, j'en suis dit, souvent, il y a des reproches que fait jeune, j'en suis colonel dans ce dilien là, même quoi que faut bal une européenne, une alternative. Et Expo Jeune, c'est une alternative que nous baillons jeune. Jeune pour montrer, mais ça le cas offrir, mais ça le cas bail. Nous demandons tout le monde pour supporter jeune là, je dis là, pendant toute journée, pour passer dans le Chavan. Vingt gars pour Dieu et encadrer au supporter. De cette façon, on cache pour Dieu. Si on pas acheter le tout, le fait qu'on présent, c'est déjà un support. Merci. Bon, je vais s'asseoir. Alors, on a pris un truc. On va donner des précisions. Il y a une affaire corruption. On va aller, mais on va donner des précisions finales pour close même. Dans sa discussion. Non, il y a vraiment des bourrés arrêtés dans le grand corps. C'est là qu'il y a des arrêtés. Et Jean-Mo. Non, Konyaz, moi c'est interdiction de départ. Il y a beaucoup parlé d'arrêtés. Jean-Mo, comment être clair pour nous dire pour tout le monde? Juge, petit papa. Pas d'aucun côté. Ils ont produit, ils coûtent plus non. S'il pas coûté plus en plus, il faut dire augmenter. Prière. Pression, c'est descendre, mais c'est pas monter. S'il pas monter, il doit monter. Ce qui va se faire. Maintenant, ça nous est quatre figures là. Mais il va mettre tout le monde là, gaz monter. Sur le marché international. Ça va mettre tout le monde qui va monter là. Il dit non. Le monsieur importateur prend question. Gaz baril là, c'est 70 dollars. Je dis que vous voulez monter là, il est moins que 60 dollars. Comment mieux? Il va 34 dollars. Il est moins que 60 dollars. Et il y a deux raisons. Il y a deux raisons qui font le descendre. Et c'est surtout la fuite là. Il y a deux raisons. Moi, personnellement. Tout d'abord, le peuple augmente la production. Depuis le peuple augmente la production, deuxièmement, ou à Grand Orient, pour ça, il permet que le suite est tout. Ça n'est pas aucun moyen
dans moment ça on dit yon la donne perdu un point à son parce que l'État pas capable l'État va faire King Kong sur Gaza. Mais, c'est contre les bandits pour combattre là. Oui. Mais tout le côté pour chercher l'argent. Michel André, ils ont gagné 20 milliards de gouttes comme gaspillés dans le jeu de vous mettez inspecteur de finances là, vous refusez. Il n'y a pas besoin. Parce que inspecteur de finances là. C'est un fait. Parce que effectivement. Inspecteur de finances, oui. Inspecteur, non pas gagné. Le dernier, c'était M. Salomon. Non, le directeur, mais la direction est là. Inspection générale des finances, pas gagné. Inspecteur. Inspecteur général des finances, pas gagné. Le dernier inspecteur général des finances, qui, en fait, ne portait que le nom, mais qui n'exerçait pas la fonction réellement, c'est M. Salomon qui a été ministre des Finances. Jamais. Et inspecteur général des finances, c'est un point important dans la finance publique pays à contrôle dépenses et contrôle recettes évidemment. Attendez, où est monté gaz là? Moi-même, pas j'aime parler trop fort et entrer là-dedans comme ça. Ouais, n'a pas là, mais je prends information. Parce que je ne peux pas parler un jour pour dire que je m'étais dit c'est criminel pour monter le gaz. Et puis on va le monter là. On va l'accepter. Il y a tout ça, mais on va le monter là. Et puis le gouvernement qui a monté le gaz. Et puis criminel. Oui, oui. Deuxièmement, monsieur, il n'est pas capable. Mais c'est mon rapport de l'information. On ne va pas vous dire. Oui. Vous êtes d'accord avec vous. Nous ne sommes pas capables de faire. Boss Jacques payer gaz là. Même prix avec Gilbert Bidjo, ou bien Etel Brandt, ou bien Etel Mouskousso, ou bien Etel Patrice Dumont. En prix différencié. Oui. Donc, faut que nous, vraiment bien calibrer la question. Il n'y a pas de fait. Mais deuxièmement. Mais quelle solution? Tellement. On va parler. On ne va pas dire. Nous, nous ne pouvons pas déjà faire nous parler. Nous ne pouvons pas faire une solution. Nous proposons nous déjà. Quitter. Nous disons que c'est cas. On ne pas qu'être grosse source de rentrée que vous avez. Immigration, c'est une. APN, etc. Moi, dis bien, c'est 20 milliards de gouttes qui ont gaspillé dans ça. Minimum. Minimum. D'ailleurs, tout en prenant exemple ça, la restauration de l'OABCT, qui va payer en 15 mois 850 millions de gouttes, pendant que dans le budget criminel, là, toute entreprise autonome, tu étends seulement 684 millions de gouttes. Autrement dit, yon seul là, by le double de ça, yon t'attend du tout. Mais mes amis, bon moment, Guichard Bouvet, nous presque mandé ou révolté contre président, révolté contre Nèg qui a quitté pays à Nèg, ça. Comment nous faisons que ça, n'a monté gaz sous pep. Et puis pendant ce temps, comme là, l'inan met l'État, pour l'État, servir avec normalement au bénéfice du peuple, mais il était dans mes deux fanèques. Mais pose-toi la question. C'est sa question fondamentale. Absolument, c'est pas là, c'est gaz là pour monter même pour faire problème là. Michel. C'est contre nous, on va rentrer là-dedans. On va pas mettre l'ordre d'administration publique là. Non, non, je dis même pour Madame Colo, écoute, ça m'a tiré. Madame Colo. Mais ça veut dire que non, la première que je dis, la montée, elle n'a pas le problème. Combien qu'on vous mettez à la disposition de la DG? Ah, il était tout en bas. Pour le restructurer, pour le capter. T'en allé dans un scandale corruption, oui, crié président, et sous question de la sénateur. Je pourrais faire ça. Corruption, quoi. Mais c'est de ça seulement, oui. La République ne vit que de ça. Oh mon Dieu! Monsieur, je me dis, oh mon Dieu, nous tout. Oui, nous sept là. 7-17. Nous sept là, moi et monsieur. Alors, monsieur, perfection. Sous tête là. Oui, oui, on va parler, on va compter. Opération. On va compter formation, ni. Et on va compter de le parler. Même on va tout le monde qui l'a parlé. On parle déjà. Monsieur, la NAS, nous ne sommes pas capables de faire payer ça. Nous ne sommes pas capables de faire mieux ça. C'est très simple. Nous tous passés
en Sagalé. Nous tous passés, par exemple, la Gonave, on papa avec un petit, c'est juge. Et juge là, pitoy relé tout le monde sous la terre pas même mettre même Joseph pas relé pour pas gagner JIA non donc je sais mettre Zilea après couper en coupe réglée. Alors là nous tous messieurs nous ouais on misère indicible comme ça dans le pays et tout partout dans le pays et bon nèg semaine j'ai été en contact avec lui un Bolivien qui était ici. Moi, dis, monsieur, qui s'est choupé le plus dans le pays? Monsieur dit, il n'y a pas de connaît que le peuple haïtien est dans le gouvernement de César. On nous dit comment pour un peuple sortir de la misère. Comment pour un peuple sortir de la misère? Il faut mettre la condition pour les produits. Ça, la produit. Ça, le capable produit. Ensuite, ces questions de solidarité à que nous sommes parlé, il faut que ça qui gagne avantage pour faire paquet de produits, que vous participez dans le travail de solidarité pour les questions sociales. Parce que là nous dit question sociale, là la constitution il dit droit à la santé. Droit à la santé, il a dit, voilà l'hôpital général là, il y a dit où payer 100 gouttes pour capable de jouer toutes sortes de venues. Là où nous passons dans l'hôpital général, nous sommes obligés de faire une enquête dans l'hôpital général. Moi, vous voyez un exemplaire bail. Et toutes grenades qui parlent dans la radio. C'est une catastrophe. Ça veut dire que l'hôpital général est organisé pour tuer le peuple. Parce que tout ça qui est bon dans l'hôpital, là, défibrillateur, bonbon gaz, il y a volé tout. Un exemple, qui moun qui volait 88 bonbon gaz, l'heure à l'hôpital là, où il y a un problème respiratoire, insuffisance respiratoire, c'est avec bonbon gaz là pour y'a un supplément oxygène. De 100, c'est 12 qui étaient 88 volés. On n'a pas prêté sous l'hôpital général. Donc, la question de la corruption, c'est pas une question morale. Donc, mais il y a une morale, oui. Mais c'est pas une question morale, non. C'est tout simplement une question de la vie des individus. Naturellement, on peut prendre son moral. Mais c'est tout simplement, on a parlé de existence, nous. Une question réelle. Oui, c'est la question de l'existence de l'haïtien en tant que membre de l'humanité. Là, pour ne pas prendre parole là, trop longue, là, on DCPJ fait une enquête côté ma travail là. Ils ont joint que de 30 novembre 2018 à Jodia, gagné un monsieur qui est le Ismik Chout, qui est chef cabinet, questeur du Sénat de la République, sénateur Onodio Louis. Lui inventé une entreprise qui est le Révélation Rent-a-Car. Lui fait 84 transactions de 30 novembre 2018. À jeudi, il fait 84 transactions qui arrivaient à 29 millions de gourdes. Et transactions, ça y est, il y a un rapport des CPJ. Je ne vais pas parler de rapport que l'Hélène Gilles, donc non, Fondation J'éclairé, à partir du rapport initial des CPJ a fait, non. Je vais parler de ça. La bande des CPJ a dit précisément où est tableau. Là, monsieur, 29 millions de consacres. Pendant que tout récemment là, employé sénat, pas capable de toucher. Tout récemment là, sénateur, même sous près de 2 mois avant que vous puissiez toucher. 2 mois passés, ça ne vous pas toucher.
nous sommes dit à l'heure, pas de l'eau dans le Sénat. Nous avons acheté camion de l'eau. Mais il y a un problème qui gagne dans le pays, monsieur. Comment nous voulons, en parenthèse, comment nous voulons l'hôpital général? Là, nous prenons l'hôpital militaire, qui est en face de l'hôpital là. L'hôpital militaire n'a rue. C'est honoré. Ou ne parle pas de ça, Joël. C'est honoré. Oui, c'est honoré. Pompe qui gagne pour puits artésien que vous fouillez pour nouvel hôpital là, pompe là, li en face l'hôpital militaire à au maximum 40 mètres. Si vous avez une cohésion, un petit trou et puis vous faites pompe là, de l'eau aller. Pour aller dans le côté intérieur, pour relier. Si vous avez un petit même quand vous êtes dedans, pas de l'eau côté intérieur, résident, abdormi, pour faire besoin. L'hôpital là, pas de un yé qui senti passé. Mais qui ça? Comment nous faire arriver dans un niveau de méchanceté? Là, mais nous pas de l'eau. En l'air, voici le problème. Bon bagaille, je finis sur ça. Bon bagaille, il y a une affaire économique, le ruissellement. Moun cap justifié, facilité, grenègue pour faire investissement. Et si il y a investissement, quelque part, c'est vrai. Si il y a investissement, il y a un travail. Donc ça, gros de l'eau, gros nègre, a toujours gagné, mais comme gros type de l'eau qui a coulé des sangs, peuple là a joint parce que là travaille. Mais si ne serait-ce que ruissellement ou couper l'eau, ou pas quitter goutte de l'eau à venir dans mon film. Okay. Donc, nous ne pouvons pas sortir. Moi dit. Mais qui est-ce qui fait transaction ça au bébé? Oui, ça, alors c'est Ismik Shout. C'est ça la Bouabaye. C'est chef de cabinet du sénateur au nom du Louis. Oh. En plus. Gagnons dame qui est Madame Marie Mirland Georges. Dites Madame Cassius. Parce que moi, dans la proie, c'est Marie Mirland Georges. Je mettais pour parler de Madame Cassius là une seule fois. Mais c'est toujours la même personne. Il est impossible pour moi d'entrer dans le Sénat après 10 jours pour pas de parler de Madame Cassius. Le dernier exploit que madame ça a réalisé, c'est que, en fait, sans que ce soit par un action, lui mettait face à face le président et le questeur du Sénat. Ça veut dire que son bagaille, yo, fait tout le monde quitter le Sénat parce que Zamréa, le président du Sénat, était obligé de mettre par balle. Gilet mental, merci. Yo, fait tout le monde quitter le Sénat. Ça veut dire que son bagaille, yo, fait tout le monde quitter le Sénat parce que Zamréa, le président du Sénat, était obligé de mettre par balle. Gilet par balle, merci. Pour qui ça parce que. Ça veut dire que son bagaille, yo, fait tout le monde quitter le Sénat parce que Zamréa, le président du Sénat, était obligé de mettre par balle. Ou tout riche. Donc, m'éviter, peuple haïtien, hein, fini avec bagaille ça. Afin que, depuis ou qu'est-ce que, ou tout riche, là, riche avec quiconque. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis, c'est un dérespectant. Sous yeux moun, collé comme ça, et puis et la nation est en train de mourir de misère, et puis par la faute de seul, par la faute de deux petits groupes, et puis 29 millions de gouttes,
50 millions de gouttes à disparaître? Non. Oh mon Dieu. C'est inacceptable. Okay. Et c'en est assez. Mais alors, moi, je demande pour que gagner des mesures conservatoires qui prend concernant M. Schultz et tout l'autre employé sénat qui est dans la situation ça, et que sénateur, au nom de Dieu, Louis, pas exercer fonction de questionner encore. 156.1 dans le règlement général, règlement intérieur Sénat prévoit directeur général là absien lorsque questeur là est disponible. Ah ouais. Merci beaucoup. Donc moi-même, ma bise. Voilà, arrêtez, monsieur. C'était. Voilà, toi, arrêtez, monsieur. Ah ouais. Ouais. Regardez, André, n'a pas géré lui là. Dis-moi, nous finis à une heure. Mm-hmm. Comme tout font parler de. Non, non, pas non, non, okay, non géré, bon, bon, rapidement, je pense que. Et des position Patrice Dumont exprimée, hein? Nous croyons son véritable scandale. Moi, je me fais sortir dans Garcia Delva. Nous sortir. Bon, nous, il fait ce fait. Et moi, je pense que son bagage est extrêmement grave. Mais je me rappelle que le sénateur de la République, en matière de corruption, est passible de même tribunal, de même juridiction avec n'importe citoyen. Parce que la loi sur la corruption est claire, que tout son agent public, élu ou pas élu, de pour impliquer dans la question de corruption, c'est devant le cabinet d'instruction pour aller. Même quoi, il faut qu'on bataille pour qu'on les gouillot aller plus loin. Parce que même si M. Suspend exerce et fonctionne comme questeur, il restera sénateur de la République avec les privilèges accordés par la loi et aussi avec l'immunité constitutionnelle. Mm-hmm. Parce qu'on a l'immunité de représenter un obstacle à une poursuite pénale. Mm-hmm. Et là, je l'ai fait constater, il y a des faits qui montraient qu'on impliquait effectivement dans des cas de corruption, immunité empêchée d'arrêter. Parce que l'immunité... L'immunité, ce qu'on fait trop souvent dans ce pays avec l'immunité. Non, ils confondent, c'est vrai, mais... Dans le cas de la constitution, bail parlementaire, bail député, sénateur, il n'y a pas bail président. Le président n'a pas d'immunité, il y a un privilège de juridiction pour les actes commis dans l'exercice de sa fonction, c'est la haute cour de justice, mais pour le député sénateur, il y a une immunité totale qui protégeait Colli, même pour des actes qu'il a fait avant même le commencement de son mandat. C'est-à-dire, pendant la fonction, on n'est pas capable d'arrêter parce que son corps est protégé par l'immunité. Bref, on allait plus loin pour ne pas immunité. Mais question corruption fondamentale. Avant, il m'a parlé avec mon comptable. Monsieur Dim, on a parlé de Petro-Caribe. André, je vais l'expliquer. Pendant les 10 dernières années, c'est 45 à 50 milliards de dollars qui dépensaient en Haïti et nous ne prenons pas ça comme là. Dis, monsieur, bonne démonstration. Monsieur Dim, si nous prenons les fonds collecté par l'État ici à travers le budget national pendant les 10 dernières années, fonds CIRH, Petro-Caribe, l'argent dépensé par les ONG et les institutions internationales, là nous prenons 4 groupes ça, Libano 45 à 50 milliards de dollars qui dépensent là. Quand on va dans l'hôpital là, quand on va dans l'école là, quand on va dans la machine à la bois, quand on a un moment petit, pape capable de voir petit de l'école avec papa petit et 9 septembre, non. Parce qu'il n'y a pas qu'à acheter uniforme, il n'y a pas qu'à acheter caïa, il y a 45 à 50 millions de dollars qui dépensent là. Bref, la vraie bataille, c'est la bataille contre la corruption. Au sort, c'est une question morale, c'est une question réelle. Parce que, l'empêche de joindre manger, l'empêche de joindre l'école, l'empêche de joindre caille, l'empêche de joindre professeur, l'empêche de joindre route. Maintenant, malheureusement, on ne parle pas grand temps. Mais après annoncer aux populations que le 8 septembre à Mirbalet, il y a fait présentation alternative consensuelle pour la fondation de l'État. Et moi-même, moi, prenais comme une grande première, parce que malgré mon jeune âge relatif, je l'ai toujours dit, même quand même, il y a 20 ans de militance politique. Et pendant tout le temps, ça a fait, et même pendant les 30 dernières années, c'est pour la première fois que les forces politiques majeures de l'opposition vivaient joindre un accord pour présenter une alternative. Ouais, pour dire, mais côté au pralé, y a bataille ensemble, y a fait mobilisation, y a pour tirer un président, y a mettre un premier ministre, y a fait une transition de rupture,
Ouais, et on dit ensemble, il n'y a pas participé à aucune élection avec le président ça. Et on dit ensemble, il n'y a pas garanti pendant la transition la transparence financière. Merci. Et on dit, mettez un gouvernement avec un effectif réduit de 14 ministres. Ça ne veut pas dire tout bagaille, mais je crois que c'est un geste qui mérite, qui mérite pour nous encourager. Et Célestin, initiative patriotique marien, et pas les mêmes qui bralent. Démentir et surtout Colonel Rebut qui a signé d'ailleurs avec Colonel. Bon, là, m'a commencé comme ça pour me dire que nous-mêmes nous tellement croyons qu'il faut que gagne une alternative consensuelle pour la gestion du pouvoir après Jovenel. C'est ça qui fait nous adhérer à ça. Non, pas qu'on adhérer, non. Ou porter l'ensemble avec nous, si elle, parce qu'on va vivre, non. Le travail sur les c'est ça qui fait nous adhérer à ça, dans le sens que pour nous chercher d'autres forces c'est ça. Qui beaucoup pour tes questions. Pour qui permettent que l'alternative li plus large et là, à niveau initiative patriote malien, nous avons fait travailler ça, mener d'autres forces pour qui ramassent bataille là pour nous gagner l'alternative unique face à Jovenel Moïse. Et dans ce sens, je remercie de monde qui t'a aidé nous faire organiser une réunion qui pour te permettre que nous te discuter autour de questions unitaire de l'opposition tant pour vote et force opposition démocratique que Michel Legault a dirigé, y compris secteur démocratique populaire, université Kiskeya, qui était représenté par recteur Lee, ancien recteur Lee Jacques-Édouard Alexis, là nous et Petro Challenger et syndicalistes d'autres groupes. Nous croyons que bataille pour construire l'unité en d'un pays a après poursuivre ce que nous avons fait nous en pile travail pour nous arriver à construire l'unité jusqu'à ce que nous arrivions mettre en place le soulèvement général des masses. D'accord, merci.